Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Tantine. Bomolo. Maman m'a pas ça. Chantal Bola. Vous êtes là pour insulter les gens. Vous m'insultez parce que je vais supporter Nicky Menga. Vous m'insultez parce que je fais mes points de vue. Je donne mes points de vue concernant la dame qui a un caractère incomparable. La dame ici, que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, à un moment donné, elle a amené les enfants de Fally Poupa à la crèche. Elle s'est levée tôt le matin pour les amener à l'école. Un mari irresponsable comme Fally. Nicky Menga l'a accueilli dans sa vie. Nicky a donné tout ce qu'il fallait pour que Fally soit Fally Poupa. Nicky Menga, comme on a toujours dit que nous sommes les Bantous, une femme c'est une aide à l'homme. Maintenant, Nicky Menga devrait aider Fally à se développer. Puisque Nicky Menga avait donné tous les atouts, tous les éléments de base. Tous les besoins primaires, Niki l'a donné à Fally Ipupa. Il faut dire les choses vraies. Maintenant, Niki, comme elle a vu que le monsieur n'a pas de vision, n'a pas de projet, un monsieur qui est tâteau par-ci, par-là, il n'a pas d'objectif. Alors, il fallait que Niki Menga quitte les bateaux avant que les bateaux chavirent. Elle vit sa vie paisiblement. Elle ne dérange personne. Elle n'est jamais passée sur les réseaux sociaux, fait des lives de plus de 2 heures d'état en train d'insulter les gens. Jamais. Elle a un comportement de femme comme Nathalie Koua, des femmes modèles. Mais regarde une femme comme Chantal Bola, une femme qui est remplie de tatouages, une femme qui n'a pas une éducation. Venu d'une famille nulle part, une famille des insensés. Comment une femme pareille va venir donner aux gens une leçon morale pendant qu'elle n'a même pas un mari chez elle? C'est elle qui incite les femmes des gens. Elle fait les pacpato partout, par-ci, par-là, pendant qu'elle n'a même pas un enfant éduqué. Parfois, il faut mettre les points sur les i. Une dame comme Nicky Menga, on devait l'applaudir, même si elle n'est pas Dieu, elle a aussi ses défauts. On doit l'applaudir. On doit voir les choses positivement dans la vie. Soit disant qu'elle est moulasso, elle est pitch, elle avait trompé Fally. Pourquoi Fally a laissé la fuite dans sa maison? Si Fally était un homme vraiment capable et responsable, il devrait protéger sa femme alors. Si les gens ont parvenu à percer le mur de Fally Ipupa, les secrets de Fally Ipupa, c'est parce que Fally n'a pas été capable de protéger son foyer. Il faut dire les choses vraies. Maintenant, la femme que vous voulez adorer, qu'elle est la femme normale, la femme la plus saine du monde, je vais vous dire une chose vraie. Les choses qu'on a attendues, une femme de boulevard et une femme qui t'a trompé, une femme de boulevard et une femme qui t'a trompé, quelle est la femme qui est la liste, que tu pourras prendre parmi les deux là? Je pense que la femme qui m'a trompé, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas assumer une femme qui sort avec n'importe qui dans les rues, dans les boulevards, pendant qu'il y a une fille, par exemple, qui est sortie seulement avec un homme. Je suis fier de Nicky Menga, je suis fier de ses comportements et la façon dont elle a géré ses enfants. C'est ça dont je parle. C'est là, je supporte une telle personne. Malgré l'absence de Fally, elle a réussi, elle a fait quelque chose de positif dans la vie de Fally. Si Fally un jour va dire que j'ai un enfant qui a les bacs, c'est grâce à Nicky. Si Fally un jour dira que j'ai un enfant qui est avocat, c'est grâce à Nicky Menga. Il faut applaudir cette dame-là. Au lieu de dire de n'importe quoi, vous faites vous passez du temps dans les TikTok pendant 1 heure d'état, Facebook 1 heure d'état, YouTube 1 heure d'état, juste pour parler d'une personne qui est plus que vous. Nicky Menga, tu dois savoir que tu es une femme modèle. On ne jette que la pierre sur un fruit mûr. Tu es une femme mûre, une femme qui fait la fierté de la communauté. C'est pour cela que ces gens-là t'attaquent. Deuxième point.
Vous pensez que Niki Menga c'est une femme villageoise? Non. Niki Menga n'est pas une poule pondeuse pour Fally. Ne comparez pas Niki Menga à Nana Ketchup. Nana Ketchup est comme poule pondeuse. C'est une femme qui n'a pas de vision. Elle n'a même pas un plan B. Pour Nana Ketchup, si Fally la laisser aujourd'hui, elle va se retrouver dans la rue. Elle n'a pas de vision. Elle ne sait pas se pro... elle ne sait même pas parler. Elle ne sait pas se présenter devant le public, attaquer femme de quelqu'un. Elle ne sait pas. Mais regardez la façon d'habillement de Niki Menga. Regardez la façon de comportement, la façon de parler de Niki Menga. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, il y a de l'intelligence. Au moment où je vous fais la vidéo ici, Fally ne peut pas être en train de regretter. Que vous le voulez ou pas, Fally regrette. Fally, il peut partir avec Nana Ketchup dans un gala, dans une fête, dans une soirée. Je te jure, avant de quitter la maison, Fally doit avertir à Nana Ketchup de ne pas parler en public. Puisque une personne comme Nana, quand elle ouvre sa bouche, elle risque de paniquer tout le monde, elle risque de déshabiller son homme en public. Mais quand on écoute Niki Menga, quand elle parle, et Toza Koyoka, quand on écoute ses paroles, ses dires, ses mots, on sent qu'il y a quelque chose d'éloquence, il y a quelque chose d'élégance en elle. On sent qu'il y a quelqu'un qui sait parler, qui a une manière. Il ne faut pas m'insulter parce que je vais supporter quelqu'un. Il ne faut pas m'insulter parce que je donne mes points de vue qui sont, même qui sont objectifs, mais pas comme les vôtres. On va dire Chantal Bola. Qui est Chantal Bola? But regardez la communauté congolaise. Quand on compte les femmes insensées, les femmes qui n'ont pas de manières, les femmes qui ne savent même pas s'exprimer, les femmes qui n'amènent que des délires inutiles sur les réseaux sociaux, en majorité, ce sont des femmes congolaises, les femmes qui n'ont pas étudié, comme donc les femmes qui n'ont pas fréquenté, les femmes qui ne savent même pas. Qui ne savent pas analyser les choses. Ils sautent sur les choses, ils écoutent les mots, ils commencent à faire les laves sur les mots sans autant comprendre la signification du mot. Une femme qui a des tatouages partout, des bijoux sur les lèvres, partout, c'est elle-là. Elle n'a jamais eu un mari dans la maison. Les enfants sont des dévergondés. Une femme qui couche avec tout le monde. Une femme qui n'a pas d'identité. C'est elle qui veut donner des leçons à une femme qui a l'identité, une femme qui a de l'élégance, une femme qui a de l'éloquence. Mais regardez notre communauté. On va où? On va où même? On va où? Il y a quoi? Communauté congolaise, il y a quoi? Moi, je n'ai même pas besoin de parler de toutes ces inutiles-là. Je regarde le côté positif, ce que Niki Menga donne à la communauté. Elle n'a rien fait du mal. Malgré, sans Fally, c'est une femme moderne, une femme développée, une femme qui se débrouille. Ce n'est pas une femme villageoise, une femme qui s'assoit, une femme qui attend tout de son mari comme Nana Ketchup. Non, ce n'est pas une pondeuse, ce n'est pas une poule pondeuse. Elle est là, elle sait comment se débrouiller, elle sait comment faire des calculs. Tantôt, elle est au Congo-Brazza. Tantôt elle est à Bruxelles, tantôt elle est en France, elle fait ses choses. Elle n'a pas besoin de Fally pour évoluer. Elle n'a pas besoin de l'argent de Fally pour vivre. Sans Fally, elle fait étudier ses enfants. Sans Fally, elle paie les loyers de ses enfants. Sans Fally, elle mange. Sans Fally, elle voyage. Sans Fally, elle vit une vie paisible. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Les femmes qui sont en train de citer Niki Menga, regardez-les. Regardez leur entourage. Regardez leur vie. Quand on la voit d'abord, on voit seulement, quand tu vois seulement Chantal Bola, quand on la voit comme ça, mes chers amis, quand on la voit comme ça, elle ressemble à quoi? Même quelqu'un qui vit dans un village au Congo ne ressemble pas à Chantal Bola. Une fille qui commence à voir la vie au Congo a de la valeur plus que Chantal Bola. Chantal, je ne sais pas, Bola, je ne sais pas, c'est quoi ça. C'est comme si une fille qui vient d'arriver en Europe, il y a une semaine. Quand on la voit, c'est une femme qui n'a pas... C'est comme si elle ne se lave même pas.
Et se lève et commence à faire des vidéos. Et ne se lave. Mais si vraiment Chantal Bola s'est lavée, et c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'est présentée à public, je suis désolé, ma sœur, tu es une femme sale. Je suis désolé de le dire, mais en tout cas, Chantal Bola, tu es sale. Je ne sais pas si tu as des gens qui te suivent, les gens qui te font la cour, mais ces gens-là, en tout cas, si on regarde les gens qui te font la cour, ce sont des hommes vraiment qui n'ont pas aussi des domiciles, qui n'ont pas d'identité. Ce ne sont pas les vrais hommes avec H majuscule. Ce ne sont pas les hommes. Puisque moi, si on me mettait moi avec toi, et on me disait, si je ne te prenais pas, on va me tuer, je préfère aller vivre dans les bras de Jésus que de vivre avec toi, ma sœur. Je ne peux pas. Une fille, je ne pense même pas qu'elle connaît le sens de mon éducation. Je ne pense pas qu'elle comprend même le sens de mon coutume, tradition, bantou. Elle ne comprend pas. Pour votre information, mes chers amis, Keina Ipupa, elle est née avec un papa africain, un papa bantou. Mais Keina n'est pas bantou. Elle est née de parents africains, mais Keina Ipupa n'est pas africaine. Il faut mettre les points sur les i. Il faut faire la part des choses. La fille est là. Elle n'est pas bantou. Elle n'est pas africaine. Certes, elle est noire comme les noirs américains. Il y a les noirs européens aussi. Mais la dame ici aussi, elle est parmi la catégorie là. C'est une femme qui mange. Elle mange européenne, elle vit européenne, elle étudie européenne, elle dort européenne, elle pense comme les Européens. La façon de parler, c'est les Européens. La façon de réfléchir, de penser, de l'Europe. Si toi, tu as grandi en Afrique, tu as, gloire à Dieu, tu es en Occident, tu es un Africain, tu es un Bantou peut-être. Mais cela ne veut pas dire que les enfants que tu vas mettre au monde ici en Occident, tu vas les éduquer, ils vont grandir ici en Occident, que ces enfants-là deviennent automatiquement les Bantous. Non, puisque ces enfants-là grandissent dans une autre culture, une autre tradition. Si toi tu veux que tes enfants soient des Bantous, ne force pas les gens d'être les Bantous. La fille ici, la façon dont elle se comporte, vous, est-ce que vous voyez les Bantous dans la façon dont elle se comporte? Est-ce que vous voyez l'essence de l'Africaine, la façon dont elle se comporte? C'est une femme 100% européenne, la fille Keina là. Il faut la laver de vos affaires de fétiches là. Si toi tu veux être Bantou, reste Bantou. Même la femme ici, Chantal Bola, quand elle parle de Bantou, regarde, est-ce que c'est Bantou Azalakaboué? Est-ce qu'on peut vraiment Chantal Bola, tu t'appelles Bantou, c'est comme ça que Bantou se présente? Vous faites la honte, vous faites la honte vraiment. Est-ce que vraiment, quand tu te regardes, c'est comme ça Bantou agisse? C'est comme ça Bantou parle? C'est comme ça Bantou se comporte? Tu prends maman Mapasa. Bantou, est-ce que à chaque fois, bisotosaba Bantou, c'est comme ça que les Bantou se comportent? Et Bantou ya Sony, Bantou ya Zoba, Bantou ya Moulasso. Mieux vaut être européenne que qu'on se comporte local là, Chantal. Mieux vaut vivre la vie européenne, mieux que je sois européen, que de vivre une vie de Bantou comme les Chantal Bola et les autres. Faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Tu as passé toute ta vie en Europe, mais tu veux, toi tu te prends comme européen, mais quand quelqu'un fait quelque chose, nous on est africain, on est Bantou. Toi, si tu es africain, retourne en Afrique. Si tu es africain, retourne en Afrique. Mais il y a les gens qui ne veulent pas vivre. On a la nostalgie africaine. Il ne faut pas se cacher derrière le mot Afrique pendant que vous ne vivez pas la vie africaine. Ne te cache pas derrière le mot Bantou pendant que tu ne vis pas la vie Bantou. Il ne faut pas embrouiller les gens. Si tu vis la vie Bantou, montre-nous avec des gestes, la façon dont tu te présentes à la télévision, la façon dont tu t'exprimes à la télévision, la façon dont tu parles à la télévision doit refléter la vie bantou, la vie africaine. Mais si ça ne reflète pas la vie bantou, la vie africaine, il ne faut pas embrouiller les gens.
quand ça vous arrange, vous devenez les Bantous. Et quand ça ne vous arrange pas, vous êtes des Européens. Soit quand ça vous arrange, vous êtes des Européens. Quand ça ne vous arrange pas, vous êtes des Bantous. Mais il faut être, soit il est chaud, soit il est froid. Soit il est Bantou, soit il ne l'est pas. Et si tu veux être Bantou, montre-nous par des actions, par les actes que tu es vraiment Bantou. S'il ne faut te taire. Vous pensez que Fally, il est devenu qui ou jusqu'à ce qu'on va seulement inciter les gens à cause de Fally. C'est un homme comme toi. Il va aux toilettes comme toi. Il mange comme toi. Il a des pensées. Il a des sentiments comme toi. C'est comme si Fally ne peut pas pécher. Malheureusement, il a péché. Il a fait un grand péché. Et on ne doit pas se taire. On doit dire qu'il a fait un grand péché. Chantal Bola, tu es Moulasso. Tu n'es pas intelligente. Les gens qui t'écoutent, les gens qui te suivent, je suis désolé de te le dire que ce sont des gens qui sont de la même plumage que toi, mais de la même culture que toi. Mais la réalité est qu'il y a les personnes intelligentes qui comprennent déjà que tu es malade. Il y a des personnes intelligentes qui ne veulent même pas t'écouter puisque tu as de la bassesse à toi. Tu ne sais pas t'exprimer. Si tu veux être personne publique et que les gens te suivent avec les comportements pareils, tu ne vois pas que tu es en train de perdre beaucoup de gens. Il y a aussi les Congolais qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas aussi intelligents comme toi. Ils vont te suivre dans tes bêtises, dans tes bassesses. Il y a d'autres personnes, je comprends, ils sont ici juste pour la visibilité, pour le nombre de vies, mais ne sont pas ici pour l'éducation, pour la motivation, pour promouvoir, par exemple, la culture, la tradition africaine. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour la valeur de la femme africaine. Ici, pour la valeur pour la jeunesse africaine. Ça, c'est mon point de vie. Et je supporte toute femme qui évolue dans le bon sens. Une femme qui se bat, une femme battante, une femme moderne. Ça, c'est moi. Je me suis derrière toutes ces femmes-là. Tu ne vas pas changer mes points de vue puisque je vais supporter Nicky Menga. Tu ne peux pas me forcer puisque quand tu te décides à parler des bêtises sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui te suit. Je ne suis jamais passé pour t'interdire à faire des bêtises. Moi, quand je donne des leçons, je parle à ta qu'un homme, je parle à ta qu'un parent, je parle à ta qu'un papa. Mais toi, tu parles à ta qu'un qui? Makelele, makelele. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. C'est moi toujours Gilmas. On se revoit. Bye.